C'est déjà assez libre. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 13h43. Je vais rester avec vous pendant une heure. Voilà. Merci maman Conan Titi. Merci pour les 75 étoiles. Merci. Voilà. Toute simple. Je me suis réveillée, j'ai pris une douche, toujours avant de parler avec quelqu'un. J'ai pris une très très bonne douche. Et puis voilà. Après ma douche, j'ai déjeuné. Parlons de déjeuner. J'ai déjà déjeuné, il faut que je prenne mes vitamines. Hein. Voilà. Et Zozo Tio, j'ai déjà scellé. Donnez-moi les 2000 patates, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Nous sommes à 200 partages. À 5 minutes de direct. 4 minutes, c'est pas possible. Voilà. Donnez-moi les partages, famille. Donnez-moi les partages rapidement. Voilà. On va aller pas à pas. Donnez-moi les partages en attendant. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans un débat, nous sommes dans un sujet très sensible sur la toile où nous essayons de sensibiliser nos sœurs, voilà, qui vont à Dubaï et qui se donnent à des atrocités, comme ça on appelle ça, qui se donnent à des atrocités, d'accord? Depuis la nuit des temps, la prostitution a toujours existé, depuis le temps de Jésus. Donc celui qui a dit à Kamsakamala, Djandjou, bordel, ça c'est pas un jeu. Mais on est arrivé à un niveau où les gens font tout de l'argent. Et ça, il y a très longtemps. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Nous, on ne pourra pas parler de Dubaï sans parler. Excusez-moi, je vais enlever le baf là. Voilà, parce que là, mes collègues dorment, je n'ai pas envie de faire trop de bruit. Mais on reste dans le temps, parce que je suis dans ma chambre, ça va. Voilà. Je regarde les commentaires, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est... Ne répondez pas du tout aux mauvais commentaires. Quand vous voyez un mauvais commentaire, vous mettez tête de moi, je l'attrape. Voilà. Donnez-moi mes 2000 partages. Du coup, aujourd'hui, nous assistons à un fléau. On a eu une Ougandaise qui a perdu la vie, sûrement parce que... coucou Flo, comment tu vas, ma grande soeur? Elle répond... pardon, excusez-moi. On a eu une Ougandaise qui est décédée, qui s'est suicidée. Pourquoi? Parce que elle sûrement assistait au caca gang, sûrement au petit déjeuner, dîner caca. Du coup, cette fille, ça a dû lui monter à la tête parce que sûrement ces femmes, elles prennent de la drogue parce que évidemment, il faut se droguer, il faut prendre des choses fortes. Les drogues, on donne aux chameaux, aux comment on appelle ça, aux chevaux pour pouvoir, aux chevaux, on dit chevaux, non, le français, c'est ça. Aux chevaux pour pouvoir travailler, c'est ce que la plupart des filles prennent pour aller dans ces endroits. Je vois des vidéos, des gens qui disent non, elles ne savent pas qu'elles s'en font. Je suis désolée. Quand tu sais qu'on ne peut pas avoir besoin de commenter, puis on passe. Ok, allumez la personne. Quand les habits vont l'attraper, ils vont l'insulter. Ils vont le bloquer plutôt. D'accord? Du coup, ces filles apprennent des. C'est pas la cocaïne. Parce que moi, je pense pas que la cocaïne. Je connais plein de filles qui prennent la coque. Hein. Voilà, plein de blogueuses que je connais qui prennent la coque. Moi, c'est pas mon délire. Moi, mon délire, c'est picoler. Voilà, je bois ma bière, je bois mon champagne, je bois mon tequila. Oui, de temps en temps, un peu de tequila. Voilà. Mais bon, c'est pas mon délire. Je fume pas. Tout ce que vous aimez voir fumer, c'est la chicha. J'ai arrêté de fumer depuis, je ne sais plus, quand j'étais enceinte de ma fille, quand j'ai accouché. J'ai eu du mal à arrêter, voilà, parce que c'était un peu difficile. Mais ça fait presque 5-6 ans, moi, je ne touche pas à la cigarette. Et ça fait que quelqu'un fume à côté de moi. Toi qui avais mis mes têtes de moi, je vais te bloquer. Et puis voilà, tu vas aller faire tes noyaux. Voilà, du coup, quand je travaille avec, par exemple, mes collègues qui fument, quand ils fument, je suis obligée de les dégager. Parce que si je reste dans la même pièce qu'elle pendant... Tous les jours, je vais être grippée. Et là, je sens que je vais être grippée parce qu'elle fume de toute façon. C'est inévitable. Laissez, pourquoi tu allais être triste? Moi, non, pas du tout. Je viens de me réveiller. Voilà.
Donc, c'est inévitable parce que là, vous allez sentir que ma voix est un peu truc parce que, voilà, on a fini très tard. On a fini le boulot très tard. Je pense, il était 5h, 6h. Le temps de trouver le sommeil, il était 7h. Je me suis réveillée tôt parce qu'il est midi. Normalement, je dors jusqu'à 15h. Mais je dois faire ma vidéo et ensuite essayer de faire, parce que c'est le début, c'est la semaine qui commence bien. Du coup, essayer peut-être de me reposer 1 heure du temps et puis commencer à me préparer. Parce que je dois monter à 18h. Je dois être prête point pile à 18h. Alors, nous parlons de ce sujet. On aime quand tu es chaud. Oui, t'inquiète, le direct vient de commencer. Merci Mouto pour les 100 étoiles. D'accord? Nous avons un sujet très sensible où tous les influenceuses du monde entier sont pointées du doigt. On n'a pas dit vendeuse de galba, on n'a pas dit ceci, non. Où tous les influenceuses du monde entier sont pointées du doigt. Ça a commencé avec les influenceuses françaises, mexicaine, marocaine, tout, il y a bien toutes les influenceuses du monde entier, Nigeria, Sénégal, partout dans le monde. Et dans chaque pays, il y a des blogueurs. Et ces blogueurs-là récupèrent les dossiers et les traitent dans leur langue en disant que nos influenceuses, la plupart, voilà ce qu'elles font. D'autres règlent leurs problèmes avec Emma, d'autres essaient de la futilité qu'elles ont fait avant à dénigrer la vie de leurs camarades. Aujourd'hui, elles veulent profiter de cette histoire pour essayer de manger caca des filles influenceuses là, parce qu'elles cherchent à racoler, cherchent le réseau. Mais quand tu cherches le réseau, va voir papier. Faut avoir les papiers au moins. D'accord? Bon, c'est pas le sujet. Nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat où tout le monde donne son avis. Où on essaye d'abord de sensibiliser. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Le problème, c'est que ce n'est pas que les influenceuses. Il y a des femmes qu'on prend dans les quartiers, on leur dit c'est pour aller faire être servante. Et arriver là-bas, ce n'est pas servante, c'est autre chose. On peut sensibiliser dessus en tant que blogueur. On peut parler de beaucoup de choses sans forcément rentrer dans les injures. D'accord? Vous avez vu ici, il y a une semaine en arrière, il y avait une histoire de 1500 euros où on disait, Madame Akoun avait proposé 1500 euros. Qu'un certain blogueur à Paris a refusé, mais sa petite soeur qui a tellement faim, elle son cas est chaud, elle n'a pas eu 1500 euros. Du coup, elle pète un câble, elle essaie d'insulter la dame, sans pas forcément son frère obligé de refuser parce que la somme n'est pas assez pour les deux. C'était 1500 euros par personne, ils allaient accepter. Son frère a refusé parce que lui s'est dit qu'il travaille, n'a pas besoin de ça. Mais elle, en tant qu'une perdue éternelle, elle s'accrochait dessus pour insulter la dame. Oui, pourquoi tu veux me payer? Moi, j'ai de la valeur et tout. Raconter tout et n'importe quoi. Cette histoire, je pouvais mettre ma bouche dedans. Mais j'ai décidé de faire vu et ignorer parce que je me dis, ça m'est égal et je m'en bats les couilles de ce qu'ils peuvent penser. Voilà. Les gens me disent, oui, Leslie, pourquoi tu ne parles pas? Oui. Ça, je me dis, parce que ça n'en vaut pas la peine. Je dis, je parle dans les bad buzz. D'accord? Et là, il y a un grand bad buzz mondial. Ce n'est pas que les bac badjo. C'est un bad buzz mondial où tous les influenceurs du monde sont pointés du doigt. Que ce soit son Edorcio, son MLOS, son Seri Krabao, son Bobescu, tout le monde est pointé du doigt. Et chacun dans ses pays respectifs, chaque blogueur essaie de développer le sujet. Pourquoi tourner le sujet et venir en faire une histoire personnelle? Vous allez remarquer mes deux dernières vidéos, je n'ai jamais dit, bon, je ne vais pas dire jamais, mais je n'ai pas dit Edorcio, j'ai des preuves, tu allais mougou un chien, non. Non, j'ai dit elle est suspecte parce qu'elle n'a pas de preuve de là où son argent sort. Les gens m'ont dit, pourquoi tu ne parles pas d'Emma Louès? Mais j'ai dit, Emma Louès, elle, par contre, elle a un spa, elle a des business, elle fait des événements, elle a plein de choses, elle peut justifier. Donc même si Emma Louès mange caca, si c'est gâté demain, elle peut justifier, c'est bien. Si demain, on dit, bon, il y a une enquête internationale contre tous les influenceurs des pays. On va prendre un exemple. On va en Côte d'Ivoire. Et Edorcio Yao, justifie-nous l'argent qui est sur ton lit. Est-ce qu'elle pourra justifier? Ah, mais non, c'est ma marraine qui m'a donné. Non, c'est mon parrain qui m'a donné. Non. Elle n'a pas venu dire que non, c'est mon gars qui m'a donné. D'accord? On a dit, il y a des gens qui sont suspects. Les gens qui sont suspects, moi, les six, j'ai venu déposer 20 000 euros, 30 000 euros devant vous sans justifier dans ce pays en France. On est des blogueurs, on essaie un peu de critiquer. Ah, Edorcio Yao. Et puis je ne suis pas la seule qui a parlé de ça. Vous allez comprendre aujourd'hui que cette fille est prête à me dire, elle est prête à me donner du poison sur l'occasion.
Leslie n'est pas la seule blogueuse qui a parlé de ça. Don Giovanni, toutes les plateformes, toutes les pages, même les abonnés de Dorsi Yao ont posté les photos de Dorsi et puis ils ont été la charger dans les commentaires. Elle-même, elle vient, elle rigole. D'accord? Elle-même, elle vient, elle rigole. J'ai fait une vidéo comme plein d'autres personnes. Ça veut dire que avant ma vidéo, il y avait 10 vidéos. Après ma vidéo, il y a eu 20 vidéos. Donc, chaque blogueur dit ce qu'il peut tirer pour faire son blog sur ce sujet qui est très sensible. Avec beaucoup de conseils, évidemment. Nous allons écouter ici une vidéo rapidement. On va écouter une vidéo. Je pense qu'elle est sur la page de Soulé de Paris. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, on va écouter rapidement une vidéo. Hier, j'ai fait un direct. Partagez, hein, donnez-moi les 2000 partages, s'il vous plaît. On a combien de partages, les admis? Le direct vient de commencer. Il ne faut pas m'apprécier d'abord. Oh là là, Soul a mis la vidéo là où? Je pense que c'est ça. Voilà. Marthe D est une Camerounaise. Elle a vécu l'enfer à Dubaï. Attendez, je vais mettre ça sur baf. On est dans un Leslie, il y a un problème. N'importe quoi. Excusez-moi, la vidéo est perdue. Ouais, la vidéo, tout de suite, est vue, non? La vidéo avait tout de suite en quête. Ok. Oh putain, Facebook, c'est compliqué. Ça fait de Facebook. Là, tu trouves une vidéo. Donnez-moi les 2000 partages, s'il vous plaît. La vidéo va commencer. Je viens de tomber sur la vidéo tout de suite. Oh là, c'est stressant tout ça. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et vous? Et je vais bien, merci. Alors, merci Patricia pour l'histoire sans étoile. Il y a environ 2 ans. J'avais à l'époque 22 ans, aujourd'hui j'en ai 24. À l'époque j'étais étudiante ordinaire, très focus sur mes études. J'ai reçu mon bac et de là j'ai décidé de passer une année sabbatique. Faut savoir qu'à l'époque. Ah, les admins sont là-bas bloqués, ne vous inquiétez pas. Je ne connaissais pas Instagram et compagnie. Et durant cette année sabbatique, bah, j'ai commencé à découvrir... C'est pas cette vidéo-là, ça m'énerve, hein, franchement. Parce que j'arrive pas à trouver la vidéo. Oh, pourtant, je l'ai vue tout de suite. Dubaï enquête. La société des Camerounaises, des Ivoiriennes, des Éthiopiens. Bon, par contre, je n'ai pas trop kiffé cette vidéo. Je n'ai pas trop kiffé cette vidéo. Le gars, il est à vélo, il porte un micro avec une caméra cachée. Quelqu'un qui filme de loin et filme des femmes qui sont en train de se prostituer dans les rues de Dubaï. Des mères de famille sans les consentements. Et c'est très dangereux. Pour des vues, ils ont fait ça. C'est très, très méchant de leur part. Ça, par contre, je n'ai pas kiffé du tout. Voilà. Ça, par contre, je n'ai pas du tout aimé. Excusez-moi, je suis sur la page de Soulé de Paris. Et je ne retrouve pas la vidéo. Pourtant, je l'ai vue tout de suite. Oh, ça me pompe le cœur. Excusez-moi, Vivi, pardon, si tu es là, admis, allez-y sur la page de Soulé, vous allez essayer de m'envoyer la vidéo en question. Il a mis ça. Vous allez m'envoyer la vidéo en question, parce qu'il ne faut pas ça me mettre en retard. Parce qu'il y a celle-là où la fille parle. Il y a celle-là,
Il y en a trois vidéos par contre, mais je trouve pas la troisième. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va laisser. Voilà, donc on va parler. Putain, je suis trop tellement énervée que... Quelqu'un qui dit, toi tu te vends, tu parles des autres. Mais c'est mon corps, ma chérie. Toi tu te vends pas là, tu fais quoi dans mon direct? Toi tu te vends pas là, tu fais quoi dans mon direct? On va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Donc comme je disais tantôt, voilà, Vivi, si tu es là, s'il te plaît. S'il te plaît, va sur la page de Soule de Paris où la femme était sur le plateau de télé là, avec un homme là. Il y a besoin de ça, s'il te plaît. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est un débat qui est public où tout le monde a le droit de parler. Mais j'ai contacté et j'ai vu la vidéo d'une blogueuse hier à 4-5 heures du matin où tout le monde dormait, qui m'a choquée. La première a été supprimée parce que les abeilles de Flore, c'est pas du jeu. Les gens étaient très fâchés, ils ont supprimé la vidéo où elle racontait tout et n'importe quoi, beaucoup de diffamation. Elle s'est pas arrêtée là, lancée un deuxième qui a été bloqué. Je suivais, hein, parce que je pense que je venais prendre quelque chose ou je sais pas quoi là. Parce qu'à un moment donné, quand on n'a pas trop de monde, moi je mets mes écouteurs et tout ça. Et la troisième vidéo, elle est restée. Voici la vidéo. Envoyez-moi dans mon inbox, c'est quoi ça là? Envoyez-moi dans mon inbox de WhatsApp. Cette fille a lancé un direct où elle est hors sujet. Elle vient nous expliquer comme ça qu'on a un frère blogueur du nom de AP qui a été refoulé parce qu'il y a une vidéo qui traîne, voilà, qui dit que non, il est parti récépissé, il n'a pas de papier, patati patata. Elle a parlé de ça et dans son direct, quelqu'un a appelé pour dire qu'il a une solution si c'est vraiment le cas. Elle a dit, pourtant, elle a dit qu'elle est une blogueuse, elle est une gossipeuse, qu'elle donnait juste des conseils, qu'elle n'a rien contre lui, que c'était juste les informations qu'elle voulait donner. Maintenant, tu dis que tu n'as rien contre quelqu'un, qu'il y a la paix, tu n'as rien contre lui, mais quelqu'un appelle pour donner une solution, tu bloques la personne, tu insultes la personne en direct. Pour dire non, si tu veux lui donner des idées, si tu veux donner des solutions, ce n'est pas dans mon direct, ou même pas dans mon inbox, mais va chez lui. Elle chasse la personne parce que cette fille en question est contente, oui. Elle est contente parce que AP va, reste à Abidjan, bien dans sa tête, AP va rester à Abidjan, ou bien AP n'a pas de papier, donc elle est contente. Donc elle est contente au fait, voilà. Elle vient faire un live à 4h du matin, où elle dit, pendant que ses camarades travaillent, pendant que d'autres dorment, elle vient faire un direct pour dire que AP est bloqué à Abidjan, il est parti à son premier récépissé, du coup Air France l'a calé, voilà, voilà, là, elle est en train de se moquer, elle est en train de narguer le gars. Oui, je n'ai pas parlé de sa maman, mais sa maman, elle ne connaît rien. Sa maman, elle ne connaît pas la France, donc je ne l'accuse pas. Ce que j'accuse, c'est son manager, elle commence à parler tout et n'importe quoi. Du genre, elle est contente de voir un blogueur, un influenceur, un chanteur comme AP bloqué à Abidjan d'après elle. Elle quitte là-bas, elle commence à dire que Edossi Yahweh est sa personne. Edossi Yahweh est sa personne, qu'elle ne va jamais laisser quelqu'un salir Edossi Yahweh. Pourtant, il y a plein de vidéos qui ont été faites. Il y a plein de personnes qui ont parlé de ça, qui ont indexé Edossi Yahweh, y compris moi. Il y a plein de, même ses abonnés ont posté, les gens ont posté partout dans le groupe. Cette fille n'a pas parlé des gens qui ont parlé de ça. Mais sa cible sur Facebook, c'est Leslie. La personne qui peut la dire, qui la donne insomnie, c'est Leslie. La personne qu'elle regarde et puis elle en vit sa vie, c'est Leslie. La personne, merci Marie pour les 115 étoiles. La personne qu'elle déteste, que si on va dans cette histoire de télé-réalité, qu'elle peut prendre poison pour lui donner pour dire bois, c'est Leslie. D'accord? Tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé dans cette histoire. Je n'ai jamais vu, même les pages camerounais, ils n'arrêtent pas de tacler les influenceuses. Les pages sénégalais taclent les influenceuses. Les pages ivoiriennes taclent les influenceuses. Chaque pays gère son gloire. Mais, on n'a pas compris. Pendant que tout le continent européen, africain, tout le monde entier est concentré sur un débat, en train de sensibiliser nos sœurs, voilà quelqu'un, une chiélienne qui sort de nulle part à 4h du matin, bourrée de cocaïne, parce que pendant que tes copines travaillent, pendant que ses copines sont en train de dorme derrière leur mari, pourtant que les gens dorment pour aller au travail le matin, elle, elle a fini de se prostituer. Appelez-moi, bipez-moi ici Charamuta Tilapia. Bipez-moi Charamuta Tilapia. La Charamuta de Zonkat. La Charamuta de Golden. La Charamuta de Marrakech. La Charamuta des prisons de Marrakech. La Charamuta qui a fait partout avec trans, avec homme. Ça dit que son busy, le Marocain, il prend son bazouzou, il met dans Boda.
Il met dans couille. Il met dans couille de la transe. Et puis on prend, on met dans sa bouche. Plus porte, il porte ta charamouta qu'elle, tu meurs. Ça veut dire que la fille, sa vie est misérable. Sa vie est miséreuse. Une vie sans fin. Ça veut dire qu'une vie sans début, sans fin. Un CV pourri. Un CV digne de prison marocaine. Ça veut dire que tu n'as pas... Toi, voilà une femme. On va aller pas à pas. Sécuriser le direct et les pouces bleus. Parce qu'elle est championne d'en bloquer les directs. Nous sommes sur un sujet. Je n'ai pas vu de vidéo d'une Camerounaise en train d'insulter. Toi qui as mis les langues là. Marcel, quoi là. J'espère que ce n'est pas de moi que tu parles. Il faut bien rectifier tes propos. D'accord? Voilà. Il faut bien rectifier tes propos. Sinon, tu vas être bloqué. Quelqu'un, sa vie même, quand elle te dit bonjour, voici, il fait jour. La seule blogueuse qui tape la coque, le crack, la hachiche, tout ce qui est vraiment dans son nez. Ça me fait mal, je ne sais pas chez moi, je ne peux pas lever le ton. Mes collègues d'hommes. Nous sommes dans un sujet. Voici une qui s'est fait appeler blogueuse, gossipeuse, et qu'on invite à la télé par pitié, par détournement. Une go qui ressemble à poupée vaudou. Une fille à faire de prendre la coque, à faire de sucer les bangalas de comment on appelle ça, des Marocains. Jusqu'à ils l'ont surnommé la charamouta. Bipez-moi le poisson le plus bas biais de Facebook. Charamouta de Facebook. Je te bloque, ma chérie. Il ne parle pas fort ici. Ici, c'est ma page. Bloqué. Il y a un débat. Voilà une blogueuse par pitié. Yves Dero l'a invitée. Elle n'est même pas capable de placer deux mots. Tout ce qui nous a ressorti de là-bas, pourquoi vous me vous voyez? Et toi, tu veux venir parler les gens? Ça me fait mal, je ne trouve pas ta vidéo. Tu dis que tu te prostitues pour nourrir tes amis. Si quelqu'un s'est envoyé, moi ça sur mon WhatsApp maintenant. Nous sommes dans un débat. Nous sommes dans un débat. Pose ta caméra, tu as des abonnés, Charamouta. Charamouta, tu as des abonnés, Charamouta Poisson, tu as des abonnés. Une analphabète, ton visage, André poupée vaudou. Tu vois, quand tu vas chez les vaudous, les petites poupées là, ça tu ressens. Tu as des abonnés, ma chérie. Mets ta caméra, tu débats sur le sujet, tu poses la caméra, le téléphone, tes abonnés vont appeler. Tes abonnés vont appeler. Ben non, hein. Toi, tu viens et tu commences à insulter quelqu'un. Par exemple, tu cherches buzz. Par exemple, tu as vu Leslie, elle a fait 6000 vues hier, tu es fâché. Tout ça à cause des vues. Si tu m'attrapes, tu as serré mon cou à cause de vues. Charamouta. Charamouta. Diandua. Bon, regarde-moi l'état des mots. Diandua, tu nous as servi en zone 4. Avec les petits Libanais. Toi, tu as commencé ton porte-porte il y a longtemps. Il y a une vidéo que tu as faite dans le passé où tu dis qu'il y a un blanc qui voulait chier sur toi. Les gens sont en train de... Tu connais les abeilles? Ils sont bâtards dans la tête. Tu as vu tes deux vidéos commencent à disparaître, non? Flo va même pas te calculer, ma chérie. Peut-être que j'ai vu sa fille. Sa formation te dépasse. Oui. La formation de Flo de Lille, les 5 étoiles, elle te dépasse à l'aller-retour, courir, revenir. Où est ton âme? D'accord? La formation de Flo, là, elle te dépasse à l'aller-retour. Pourquoi elle dit que Flo est monnaie? Toi, à un moment, tu parlais tellement que tu es une cognée de tête. Tu parles de AP et tu ne calcules même pas. Une hypocrite, une sorcière sans dents. Et tu es jeune fille à 43 ans, tes dents sont limées à force de sniffer la cocaïne, à force de rapper. Hein, rapper la drogue avec tes dents. Hein, tu rappes quoi? Tes dents sont coucou. On a un bébé de 4 mois qui a été poussé dedans. Charamouta, on est assis par terre. Parce que tu vois que Leslie est en train de faire le buzz sur Facebook. Ah, bah les 5000 vues. Oh, bah les 6000 vues. Ça a pété dans ta tête. À 4h du matin, tu as mis 20 mois dans ton nez cocaïne. Quand tu t'es rappelé quand tu as mis caméra, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais créer pour attirer le buzz? Mais seulement que où tu es parti là, eux ne connaissent pas game. Flo a changé. Tu as déménagé où tu habitais, n'est pas loin de là-bas, il te prévient. C'était son avant là. C'était son avant. Elle va décoller sa voiture et puis aller chez toi. Elle est française. Elle va aller te botter chez toi. Et puis elle va retenir chez sa chauffe-pas. Faut bien demander sur la toile.
C'est Flo qui se déplace dans le clash. Et puis elle va chez toi, elle te frappe et puis elle appelle la police. Et puis la personne, la police vient vous deux partir en garde à vue. Elle n'a pas peur de ça. Comme elle a pris de l'âge, elle a ses filles qui sont là, qui prennent la relève fière, avec fierté. Elle a décidé d'arrêter le clash. Tu es là, on parle de chaque pays. Il n'y a pas d'influenceuse en Côte d'Ivoire. Chaque pays a des influenceuses. Cette histoire de porte porte, c'est même parce qu'il faut faire vidéo dessus. Tu penses à venir faire vidéo pour te répondre à chez vue. Moi-même, la maison, t'ai parlé mon cash show. Paye mes petits 6000 vues, mes 5000 vues, tu veux gratter ça. Tu cherches vue. Tu es jeune, copie, ta bouche est virgule. À force de sucer, toi, tu as fait la bordellerie. Il a dit pour toi, là, t'as pas de. Ça dit que toi, tu n'aimes pas. On ne dirait pas t'appeler prostituée. Non, toi, tu es une charamouta. Tu vois, charamouta, c'est un mot. On dit prostituée, mais non. En arabe, les Libanais de zone 4, c'est comme ça, ils t'appelaient charamouta. Quand tu vois, charamouta, c'est ton nom Chara. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Tilapia Charamouta. Tu as sucé quand pour 2000. Tellement tu as sucé. Ta bouche est penchée. À 43 ans, tu as une bouche qui monte. Fais doucement, hein. Ta bouche est montée. En tête, tu as eu AVC. Tu es jeune comme ça, puis ta bouche est montée. En tête, tu as eu AVC. T'as vu le gant? Tellement tu as sucé. Tu as sucé lourd. Les tous des yalla qui sentent là. Tu as sucé. Toi, tu ne suces pas doucement. Tu as un passé sale. Au milieu de ton passé là, c'est Nimo. Ton futur est gâté. Ton présent à Tiena. Un procès en cours. Même si tu n'as pas été en prison, tu vois ce qu'on appelle. Mais attends, toi, la fille là. Tu es bête. La drogue, c'est pas bon. Il te dit, arrête la drogue. Parce que voilà quelqu'un qui dit qu'elle s'est prostituée pour payer placalier et garde pas, pour que ses copines, les putes, entre elles mangent. Maintenant, elle dit qu'elle, son entourage, n'a pas de salope. Mais tu rigoles ou quoi? C'est pas tes mêmes copines, tes boys de bordel. Bordel de gordel. C'est pas même groupe. Vous êtes venu en France ici. Vous avez quitté en France. France, vous avez fait Marrakech. Ma chérie, tu as fait la prison pour prostitution et. Et comment on appelle ça? Et garde de stupéfiants. Au Maroc, tu vendais la drogue. Sécuriser le directeur, les pouces bleus. Au Maroc, tu vendais de la drogue. La police est venue chez toi. Ton client a sauté par la fenêtre. Il voulait sauter par la fenêtre. Les voisins ont appelé la police. Mais tu as volé le client. Tu dis que c'est la caméra sénégalaise qui a envoyé le client. Non, c'est toi ton client. Sinon, la caméra sénégalaise n'a jamais existé. Tu es parti avec un trans. En busy, on mougou le trans dans son puits et puis on met pine dans ta bouche remplie de caca. Toi, pas porte, tu portes ça que toi. En zone 4, tu as baisé les chiens. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Il n'y a pas trop duré. On a combien de minutes de direct? En zone 4, tu as mougou les chiens. Moi, je connais quelqu'un qui vendait les friperies en zone 4. Que je vais taire son nom. Tu payais les petits caleçons, les petits guines, les petits kilos. Tu vas dire que tu ne peux pas dans porter bon habit. Pendant que tes petits se travaillent dans les bars, hein, serveuses là, toi tu t'arrêtais au Golden, elle est trans. Tellement tu es vilain, tu ressembles à trans là. Toi tu t'arrêtais, elle est trans. On vous faisait les débouquets sur les rails. Sur les rails. Il n'y a plus porte-porte que ça. Toi là, quand tu te coupes comme ça là, on te prend ici, on prend le trans sans préservatif. Va faire ton test. Va faire ton test. Tu as fait le loup partout, elle est trans ici dehors. Elle a fait la prison pour ceux qui ne savent pas. Elle a fait. On va lire le document tout de suite. Vous bloquez. Vous allez souffrir. Bloqué. La vidéo, ça a dit c'est Flo là. Voilà, la vidéo a dit c'est Flo. Je ne peux pas montrer ça en direct. Une vidéo d'une américaine black qui est noire, elle dit c'est Flo. Moi, venu, moi, je ne suis pas pressé pour toi. Tu me connais. L'élément le plus pimpant de Facebook, c'est moi.
Alors voilà un article. La voici ici. Sécurisez le direct. Elle dit à quel âge? Il y a 50 ans. Je te bloque d'abord pour commencer parce que tu n'es pas pasteur. Voilà l'article pour ceux qui ne connaissent pas. C'est au Maroc. Je vous lis. On dit de prostitution. Une de prostitution risque la prison. Une jeune ivoirienne connue sous le nom de Marie de Londres, vivant au Maroc, a été mise en prison il y a 15 jours. Ça veut dire qu'elle a fait 15 jours de prison pour prostitution et vol à main armée. Les faits se sont déroulés comme suite. Cette dernière était à une escapade nocturne dans une célèbre boîte appelée le Théâtre pour du racolage et elle est rentrée chez elle avec un client. Après avoir longuement discuté le prix pour une nuit, les deux protagonistes se fixent un prix de 2000 dirhams qui font 200 euros, soit 120 000 francs CFA. Après l'acte sexuel, le client en question, sécurisez le direct s'il vous plaît, le client en question étant de nationalité marocaine, lui monte 1500 dirhams, donc 150 euros, ça fait 90 000 francs CFA. N'étant pas satisfaite, après que ce dernier paye n'ayant pas respecté l'accord, la jeune ivoirienne se mettait dans une colère noire pour la prostitution. Dans une colère noire, elle a bloqué les téléphones. Parlons de téléphone. Elle n'aime pas du tout. Elle est allergique. C'est une grande voleuse de téléphone. Même le passeur où elle était à Tanger, elle a volé tous les téléphones avant de Boza. Ça, c'était une petite parenthèse. Et bloqua les téléphones de son client. En tout le menaçant d'un couteau. Afin que ce dernier lui remet le reste de la somme des 500 dirhams qui font 50 euros. Donc 30 000 francs CFA. Le scandale dans l'appartement de la jeune ivoirienne ameute les voisins qui se rendit à l'appartement de cette dernière afin de comprendre ce qui se passait. La prostitution étant un délit au Maroc, le client marocain tenta de se jeter par le balcon afin d'éviter l'humiliation et la prison. Mais il fut interpellé par les occupants de l'immeuble qui appellent ensuite la police. Notre jeune soeur a été arrêtée à la police et passé 15 jours en prison avant d'être libéré ce vendredi dans l'attente de son procès qui avait lieu ce lundi matin. C'est qui? C'est Fleur de Lis là. C'est toi qui es venu prendre défense de Doxy Yahou. Moi, je n'ai pas été Doxy Yahou pour toi. Non. Et Doxy Yahou, il dit les suspects, point. C'est ma soeur ivoirienne, c'est pas mon ennemi. Je ne suis pas en train de l'insulter, je ne suis pas en train de l'accuser. Il y a les suspects du cacapoti, du poti bokeh. Mais il n'a jamais dit que Doxy Yahou, oh, il y a vidéo aussi. Nous, on est dans notre game, nous, on rigole, nous, on allume la galerie. Tous les Ivoiriens sont sur les Doxy Yahou. Pourquoi c'est pour moi, tu vois? Fleur de Lis, t'as fait quoi? Hein? Voilà ton adresse, ta vie qui est ici. Tu as fait la prison pour prostitution au Maroc. En Côte d'Ivoire. Tu as Mougou, elle est Libanais, elle est chien. Pour des miettes, pour de la drogue. Tu as compris? On n'est pas camarade. Flo même, ce n'est pas ta catégorie. Et puis moi, je ne suis pas ta camarade. Parce que sa fille que je suis, sa formation que je suis. Et toi et moi, on est venus en Europe ensemble. Moi, j'ai écouté les conseils de ma reine mère. Elle me dit, ma fille, elle dit, oui, maman, elle dit, cherche ton kaolo. Quand elle a trouvé mon kaolo, elle était fière de moi. Ça, c'est quelqu'un à suivre. Parce que quand elle est venue en Europe, objectif kaolo. Oh, je te bloque. Vous allez souffrir que je lis, mon frère. Il fait ma lecture, tu dis de me taire. Bloqué. Elle dit à sa fille, cherche ton kaolo. Quand on aime, on donne des conseils. Il y a eu mes kaolos. J'ai mon appartement en France. J'ai mon appartement en France. J'ai ma propre voiture en France. Et puis, je bouge partout. Tu n'as pas vu qu'il a suivi l'exemple de Flo? Tu n'as pas vu que ces conseils sont rentrés? Comme on dit que quelqu'un est mon exemple là. Toi, tu as pour exemple tous les influenceurs. Tu les envies, mais tu fais même pas le. Tu bouges même pas d'un orteil pour les ressembler. Pourquoi? Parce que tu es maudite. Ben, il doit attacher les pieds en sorcellerie. Tu peux seulement parler de la vie de tes camarades. Tu peux seulement parler des vies des femmes qui se cherchent honnêtement.
Mais toi-même là, tu as envie d'avoir papier, tu as envie d'aller à Abidjan comme AP, tu as envie qu'on vienne te chercher à l'aéroport, tu as envie comme Leslie de monter dans l'avion, partir partout, tu as envie comme Fleur Denis faire le tour du monde. Mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas de papier. Oui, c'est ça la vérité. Et même si tu as les papiers, personne ne va vouloir coller son image à toi. Il y a 4 mois, tu as menti à tes abonnés ici que tu es enceinte. Que bientôt tu vas accoucher, que tous tes abonnés, même s'ils sont en Mauritanie, en Chine, à Washington, tu as payé les billets d'avion. Qu'est-ce qui s'en est de cela? Ta grossesse s'est passée dans ton cou ou quoi? Ta grossesse s'est passée dans ton cou? Faut pas aller nettoyer ton ventre chaud là. Hein. Ou si tu ne fais pas 2 secondes et puis ça descend là. À force de chercher un enfant, tu vas avoir le sida gratuit. Toi, tu as venu parler de Flore. Tu as la chance que je suis, tu as la chance que je suis au travail. Voilà ton article de Bordelerie. Ton article de Bordelerie, hein. Donc, on va aller maintenant sur ma page. On va écouter rapidement. Bordel comme toi. Tu parles à qui? Nous allons reprendre notre sujet de porte à porte demain. Et donc, il y a aussi ça là. Tu as envoyé comme défenseur là. Elle ne fait pas le poids, hein. Hein? Elle là même, c'est une vraie porte à porte. C'est une charamouta. Tu penses comme une charamouta? D'accord. Ah bon, d'accord. Voilà, on va écouter ce qu'elle dit sur Flore. Parce que comme elle a fini à supprimer, ça c'est pas là, ça c'est la deuxième vidéo. La première vidéo, elle a fait 30 minutes en insultant Flore Delis. Elle a même montré une capture pornographique où elle dit que c'est Flore Delis, que c'est chien qui est en train de la mougou. La vidéo a été supprimée par Facebook. On va l'écouter. Flore Delis ne t'a pas sonné. Elle peut me sonner. Est-ce que votre Flore Delis, elle peut me sonner? Aïe. Voilà une qui a fait la prison pour prostitution et dit papa elle est prostituée. Faut dire que seulement que pour nous là te dépasse. Oui, tu dis que nous on est prostituées, non. Mais pour nous te dépasse parce que nous on arrive à bouger d'un pas. Toi tu n'arrives même pas à bouger. Ton sale cou et tout. Ton sale cou et tout pourri puant. Que les chiens ont mou goût en zone 4. Tellement tu as sucé jusqu'à ta bouche est penchée. Flore, là, sa bouche n'est pas penchée. Tu es une envieuse notoire. Tu es une envieuse notoire. Je te traumatise. Sinon, il y a eu 10 000 directs sur Facebook où tout le monde est indexé Dorsi, Yahoo, Emma, Louis et consorts. Mais c'est Leslie qui t'intéresse. C'est Leslie qui t'intéresse. Bon, Flore, quoi avoir dans le débat là? Tu as déjà vu Flore à Dubaï? Flore va aux États-Unis. Elle va partout dans le monde. Mais je n'ai pas encore vu Flore à Dubaï. Il ne sait même pas si elle est partie, même si elle était partie. Tu cherches vu. Il y a longtemps tu es clashé, Flore. Une fois tu as fait ça, avant les événements de EAP, elle t'a laissé. Après les événements de EAP, je crois. Elle te dit non parce qu'elle a dit tilapia. Pourtant, il y a une blogueuse. Le mot tilapia vient de Flore même. Il y a une blogueuse qui s'appelle quoi là, mais j'ai oublié son nom. Que Flore appelle tilapia de Lille. Elle a dit tilapia, tu penses que c'est toi. Bah, tu penses qu'on te connaît. Tu veux la clasher pour te faire connaître dans le rayon de Cameroun. Moi, j'ai déjà connu dans le rayon de Cameroun. Oui. Là, là, tu cherches le fan là-bas. Tu as vu ce qu'ils ont montré hier? Flore n'est plus dans le clash. Elle n'a pas besoin de dire catch-up si ses abonnés. Ils savent quel travail doit faire. Je ne parle pas les gens que si on couche avec eux. Tu m'as entendu? Je ne m'allie pas aux gens qui couchent les chiens pour de l'argent. Tu ne peux pas me sonner. Ma chérie, Mougou et chien n'est pas mieux que ton tapa. Toi, tu fais partout les trans. Ça veut dire qu'on mougou, on prend pignon, on met dans le cuir de tête, on met dans ta bouche, rempli de caca. Rempli de caca. Tu as fait la prison pour prostitution et vente de stupéfiants. Donc, tu es une gangster. Tu es une dealeuse et tu es une prostituée. Et tu es une prostituée. Toi, ce que tu as, toi, délit. Tu es une droguée et tu es une mythomane et tu es une kleptomane parce que tu es une voleuse. Il y a voleuse. Quand tu vas avec tes clients, tu les voles. Et la kleptomanie, bah, tu voles toutes tes copines. Même le string. Même le string, tu es une kleptomane. Toi, tu vas parler à Flore, c'est ta camarade. Flore n'est jamais ta camarade, ma chérie. C'est vu que tu cherches. Tout ça, traiter les gens de prostituées. Faut dire que tu arrives en bengue, il n'y a pas de réseau pour toi. Pas même réseau, il faut avoir CB. Il n'y a pas de réseau pour toi. Tu te promades comme une chienne.
Et puis tellement que tu m'envies, les rideaux qu'il y a dans ma chambre, ils se passent dans ma chambre, dans mon salon, vert là. Ils ne sont pas si à conformer. Non, c'est pas conformer, on appelle ça dans un magasin. C'est ça, tu as allé mettre chez toi, même couleur. Tu te moquais de ma télévision avant, ma petite télévision que j'achetais depuis 2018 quand il est arrivé en France. Télé là, mais elle démontait, ça s'est dans la chambre d'amis. Il dit à dire de mettre ça dans notre chambre pour qu'on puisse rien être fric si on veut passer les journées dans la chambre. Tu as clashé ma télé, tu dis ma télé est pétée que depuis ça en France, c'est même télé là. Télé là même là. Parce qu'il voulait, il attendait le temps pour me prendre la télé de mon goût. On allait soulever grande télé à Conforama. Tu ne parles plus de télé. Et ce qui est dans ta maison, comment on appelle ça? Lustre là. Lustre qui est dans ta maison là. Tu sais, c'est combien? C'est 2,50€. Ou bien c'est 3€. Il y a un magasin là. J'ai oublié le nom. Ils vendent des trucs moins chers là-bas. Tu n'as même pas eu le temps d'enlever plastique là. Et puis tu as accroché lustre de 2€ là comme ça. Tu n'as pas eu le temps d'enlever le plastique de lustre là. Tellement que l'esthétique te traumatise. Donc tu insultais mes rideaux. Oh les rideaux jaunes. Oh les rideaux verts. Donc tu enviais ma maison. Où tu es assis là-bas, ce n'est pas ta maison. C'est la maison de maman. Je n'ai pas envie de dire son nom. C'est sa maison. La dame là, qui est en procès avec Ezeo là, c'est sa maison. Elle habite son yossi, dont son yossi à son appartement. Ils t'ont loué la maison de son yossi. C'est à cause de ça, des jours là, tu la prends pour ton amour, tu la mets en photo de profil. Mais ça, c'est gâté. Ça va, c'est gâté, on a assis par terre. Peut-être que tu es la plus bas biais de Facebook. Tout ce que te touche, ça devient du cendre dans ta main. Va te laver dans la mer. Va prendre sperme de ton père, puis tu vas te laver ça. Ça te fait du bien. Flo n'est pas ta camarade. Parce que même tu ne peux même pas te comparer à sa fille que je suis. Oui. Tu ne peux pas te comparer à sa fille. Parce que sa fille est chaotisée. Sa fille voyage partout. On suit les traces de ce qui est bien. Tu as venu. Et puis, attends, on va t'écouter. Il ne suit même pas à son niveau. Toi, tu penses à son niveau. Oui, parce que moi, dans mon set d'amis, il n'y a pas quelqu'un qui est chien à coucher avec. Ah non, il y a Cheva qui est chien à coucher. Tu mens, hein. Chara Mouta. Chara de Chara. Chara Mouta voleuse. Chara Mouta vendeuse de drogue. Chara Mouta cocaïmane. Chara Mouta braqueuse. Chara Mouta qui veut frapper son client à cause de 50 euros. Tu veux frapper le client. Tu veux arracher ses dents. On t'envoie en prison. Tu as plus de 15 jours de prison au Maroc. C'est ça que tu n'as jamais eu de titre de séjour au Maroc. Quand tu viens raconter ta mort, que toi tu voulais te marier, non, c'est pas moi qui voyageais. Toi tu voulais te marier à blanc pour te marier. Mais quand Leslie a pris l'eau, elle a risqué sa vie là, tu m'as suivi dans l'eau. Et si tu étais morte là-bas, on peut envier quelqu'un comme ça. Tu l'appelles, je te fatigue, je te traumatise. Hein. On doit te délivrer. Hein. Dis à Pasta de verser une danson dans tes narines pour déboucher ton cerveau qui est rempli de sel. Toi, tu dis que tu devais te marier, tu n'as pas, tu as un carnet, et tu as, comment on appelle ça, un casier judiciaire au Maroc. Tu penses qu'il va tenir un titre de séjour? Je voulais me marier, mais je devais aller à Pékin. Toi, ton mariage est prêt, il reste un peu mes bagues dans 2 millions, mes bagues dans ton toit. Mais avec tout ça là, tu as suivi Leslie dans l'eau. On peut risquer sa vie pour une inconnue qu'on ne connaît pas. Tellement tu m'envies. Tu m'envies depuis. Mais moi, je suis très intelligente. Parce que moi aussi, depuis le Maroc, je suivais Flore. J'ai dit, ah! Elle part du kaolo, elle met son kaolo. Le jour où je suis venu en Europe, un jour, j'ai eu mon kaolo. Et quand je suis venue là, elle m'a dit, ma fille, ton kaolo. J'ai eu mon kaolo, elle est fière de moi. Aujourd'hui, Flo voit sa fille Leslie partout, sa fille Esta, elle est fière de moi. On n'a pas besoin de causer sur Facebook. D'accord? Elle est super fière. Et je suis fière d'elle. Flo n'est pas ta camarade. Elle a 2 sociétés en France. Si tu viens, elle te l'expliquer. Flo est patronne en France des FDL. Flo a immeuble au Cameroun. Faut t'asseoir. Hein. Comme tu dis la baiser chien. Au moins elle, elle a réalisé. J'ai les vidéos ici. Tu prends des vidéos qu'on t'envoie d'une fille qui est moi. Et puis tu dis c'est Flo. Et si elle te porte plainte, tu vas venir t'asseoir pour pleurer. Pour dire je n'ai rien fait. J'étais assis ici. On m'a provoqué. Je n'ai rien fait. J'étais assis ici. On m'a provoqué. T'as trouvé que cocaïne a très bouché tes narines. Flo est propriétaire d'immeubles en France.
Elle n'a pas eu ça dans la prostitution, ma chérie. Elle avait un blanc qui était milliardaire. D'accord? Flo a construit une maison pour sa mère. Quand il va au Cameroun, maison pour sa mère. Et puis tous les meubles sont quittés en France. Ça, c'est un exemple. Oui, parce que quand j'ai grandi, j'ai fait comme elle. Je suis un peu à les échelons. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? On copie ce qui est bien. Et ma fille, ma reine met à ses papiers. Moi aussi, mes papiers. Son manga de nationalité. Ma reine me dit qu'il faut construire. Donc, bientôt, Inch'Allah. Ma reine me voyage. Moi aussi, mon cher, t'as me chercher. On suit ce qui est bien. Au moins, là, un jour, elle peut dire, ah, ma fille, c'est comment? Ah, aujourd'hui, là, ta reine a besoin de 2000 euros. Un jour, mon père, elle dit, ma reine me tient. Toi, tu crois que Flo, c'est ta camarade? Il y a moins une péon comme toi. On dit, et Dossi, on n'a qu'à justifier ses biens. Flo peut justifier ses biens. D'accord? On n'a pas traité Dossi Yahoo de quoi que ce soit. On dit, elle est suspecte parce qu'elle va à Dubaï. Et elle n'a pas de magasin, elle n'a rien, elle n'a pas de maquis, elle n'a pas de kiosque, elle n'a pas de cabine téléphonique, elle est suspecte. On est dans le game. Viens faire ta part de débat, tu cherches aussi ton sujet. Pourquoi tu dois venir toujours prendre le sujet des gens? Donc toi, tu ne peux pas travailler. Après, c'est pour dire que c'est les blogueurs qui te suivent. Non, ils veulent, sans moi, ils n'ont pas les vues. Tu as vu 6000 vues, folie, veut te prendre. Tu as vu que je suis ta patronne. Tu as vu que je suis ta star, ma chérie. Tu as vu la maison de la maman de Flo? C'est Flo qui a construit à son argent, ma chérie. Pendant que toi, tu te prostitues en zone 4, les chiens, et puis tu suces Bangala des Arabes, et puis ta bouille s'est penchée, ça est venu dans ton oreille. Là. Flo construisait pour sa mère. Sa mère, aujourd'hui, là, je te bloque. Aujourd'hui, là, elle a fait venir sa mère en Europe pour ses traitements. Aujourd'hui, je touche du bois. Si quelque chose arrive à maman Anna, avec beaucoup de bénédictions de Flore, oui. Parce que malgré qu'elle a construit une maison pour sa maman, là, elle a fait venir sa maman en France. Sa maman en France, c'est elle. Elle s'occupe de sa mère. Ça, c'est une blogueuse, c'est une influenceuse pour moi. Ça chauffe pas. Pas les chiennes comme toi. Hein, moi, celle-là. Ça vient de parler de. Et Dossi Yahoo t'a envoyé. Quand Dossi Yahoo là, elle a l'argent. Hein? Et Dossi Yahoo, c'est pas aujourd'hui, elle va à Dubaï. Avant, elle envoyait des boubous. Je la connais il y a longtemps, c'est ma personne. Nous, nous ne sommes pas dans une guerre de personnes ou de feeling. Nous dénonçons un fléau en tant que personnalité publique. Nous ne sommes pas en train de dire, oui, Mathieu Dola est ta grand-mère. Et Dossi Yahoo était ta cousine. Hein? Mike Garçon était ton cousin. Non, c'est pas le sujet. Le sujet parle du porti-porta. Tu es une blogueuse, dépose ta caméra et puis tu fais ton blog. Tu t'attaques à la femme qui est au Canada, tu dis oui, elle-même vend cette jumelle aussi, elle-même peut se comparer à qui, elle-même elle insulte les femmes. Mais tu es perdu, ta vie tourne autour du clash, ma chérie. Ta vie tourne autour du clash. À force de faire le clash, ta bouche est penchée. Tu as quelle maladie? À ce que je sache, tu n'as jamais eu de AVC. Mais c'est à force de sucer. Tu es une suceuse de bite, tu es une charamonta. Tu peux pas sucer comme ça. Toi, tu suces en virgule. Depuis 2000, tu fais sans virgule quand ça t'a donné des séquelles de virgule sur ton visage. Nous sommes dans un débat. Donc tu es incapable de faire un débat. Tu es incapable de faire un débat en tant que blogueuse. Tu es incapable de gérer ton blog. Petite voleuse, tu es incapable de parler de toi. Tu es incapable de créer du buzz autour de toi. Leslie arrive à le faire et tu viens voler. Tu viens piquer, tu es venu voler les vues. Ta vie tourne autour de Leslie. Tu n'as pas de vie? Tu n'as pas de vie? Tantôt, c'est en cours. Tantôt, j'ai mes papiers. Qu'est-ce que je n'ai pas de papiers même? Tantôt, ça va sortir bientôt. Tantôt, c'est un coup de nationalité. Tu es malade. Tu es juste bête. Tu cherches l'amitié de Dossi Yahoo. Mais sache que même si Dossi Yahoo faisait proti, pourtant, elle ne va jamais te dire, elle ne va jamais te montrer. Bah, tous les influenceuses ont peur de toi, y compris Leslie. Et toi, tu es la servante des blogueuses. Oui, tu mets sa photo avec mes cœurs. Elle ne cherche pas amitié avec toi. Tu as dit t'asseoir. Non, et Dossi Yahoo, elle soit un gars qui a l'argent. Elle soit un Nigérien qui a l'argent. Nigérien qui a l'argent, marie des gens. C'est pas même bordelerie là. On est tous des bordels. Seulement, il y a catégorie de bordels. D'autres, on chie dans leur bouche. D'autres sont les maris des gens. D'autres, chacun fait sa bordelerie. Flo a quoi à voir avec chien qui baise, qui fait ça, qui fait ceci. Tu as vu, ta première vidéo a disparu. Deuxième a disparu, c'est troisième, j'ai pitié de toi, pas tout le monde dormait. Une zombie comme toi. Une blogueuse zombie, tu peux pas dormir. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Tu as signé pacte à elle insomnie. Tu as signé pacte à elle sommeil.
pendant que tes copines dorment, mais pendant que tes copines travaillent, toi, tu es en train de visionner leur vie, tu es en train de regarder dans Mamite. Flo, c'est ta camarade. Elle est propriétaire de bâtiment, étage. Ton père qui est français, l'a déposé en Côte d'Ivoire. Hum? Charamouta. Ton père, là, qui tu dis les français, là, est-ce qu'il a même villa ou bien bata en Côte d'Ivoire? Flo est propriétaire d'immeubles. Et puis, elle a construit pour sa mère. Elle a fait venir sa mère en France. Et puis, elle voyage partout dans le monde. Et puis, elle est française. Et puis, si tu parles, on va casser ta gueule à ma compagnie. Chienne, sans domicile, fils, chelet. Les gens sont dans le game, dans le vrai buzz. On parle des actualités. Tu es capable de gérer ton putain de blog et tu viens, tu ouvres ta sale gueule sur les vraies femmes qui travaillent. Hmm? Toi, tu l'as vu baiser un chien. Tu l'as vu baiser un chat. Et même si le fait, c'est ton con. Elle a loué ton con pour aller le faire. Non, dis-nous, si elle a loué ton con pour aller le faire. Moi, dans mon sexe d'amis, il n'y a pas de filles qui baisent un chien. Non, vous baisez, mais vous ne baisez pas un chien. Toutes tes copines sont des putes. Toi-même, tu es une bordel prisonnière et tu es une dealeuse de drogue. Ta bouche sans ton con, sans. C'est pas que depuis que tu es en France, tu n'as pas de clients. C'est pas de la faute de Flore, c'est pas de la faute de Leslie. Que si ton piment est pourri, qu'il y a des asticots dans ton piment. Hein, ma chérie? N'importe quoi. Puta de madre. Nous allons revenir sur nos sujets. Mmh. Donc, elle, est-ce que si vous mettez pas de sommeil parce qu'on n'a pas, on n'a pas dans le même niveau, chérie? Regardez-moi une fille comme ça. Déjà, même la robe que tu as portée, t'en donné crédit. Tu prends 2 heures, 3 heures de temps pour te maquiller. Et tu viens de ça, on n'a pas le même niveau, chérie. Hey, tu l'as bien, tu fumes quoi même? Charamouta, tout au bordel, Charamouta. Charamouta droguée, Charamouta voleuse. Charamouta article de journal. Charamouta prison de Maroc. Et puis elle est toujours lesbienne, elle n'assume pas. Hein. Je connais quelqu'un qui l'a mougou, mais elle dit à la personne qu'elle ressent rien parce qu'elle aime quand les femmes la mougou. C'est une lélé, elle aime ça. Mais comme les garçons ne sont pas prêts pour laper son con, mais qu'il y a une odeur, femme même ma poum. Donc elle est là, c'est pas lesbienne. Et c'est pas les chimielles. Non, moi, c'est pas les chimielles. Les chimielles, elle avait ça avant. Mais quand j'ai pris bateau, j'ai dit que Dieu, si je rentre, je vais arrêter les chimielles. Tu as arrêté, tu n'as pas de papier. Tu n'as pas enfant aussi. Nous, on est les chimielles, on a enfant. Tu n'as pas ces commandes. Ou bien tu bois le sperme seulement. Mon père a bouche, je suis suceuse de bite, va. Il dit, il faut dire merci, je suis pas là. Et puis, il y a même avec la chèque tapette, n'en vaut pas la peine. Nous sommes dans un game. Et actuellement, il y a des papos qui sont en train de sortir sur cette histoire de porte-porte. C'est un débat que tous les continents du monde en parlent. Donc, on n'est pas là pour mesurer des caleçons, en fait. Quand les blogueurs disent arrête clash, il y a toujours un démon qui s'appelle Charamouta Tilapia qui a venu remuer sa queue de poisson. Parce qu'elle aime le clash. Parce qu'elle ne sait pas gérer blog. Tu ne sais pas gérer blog, c'est ça qu'elle a gnaoué. You know, it's not possible for you. It's not possible. You deposit your camera for speak. No insulté, no clash. Yesterday, Tuesday, I'm speak, no clash. For 6700 personnes. You, depuis you blogueuse, you possible faire 4000 personnes. You big view is 2500, 3000. You not possible, you dépasser. 3000 is rare. Une fois, Charamouta, dans la vie. You know possible faire 5000 personnes. Mais Leslie bloqué Facebook 12000, 13000 personnes. You person, you Congolo is fouillé. A pas fumé le caca que tu fous dans tes narines. Mangeuse de merde, va. Flo, c'est ta camarade. Plus jamais tu ouvres ta gueule. Hein. Il sait que tu cherches le buzz, il ne va pas te répondre. Flo est dans un autre level. Oui. La seule blogueuse qui donne l'envie aux influenceuses de vivre. Elle fait le tour du monde chaque temps. D'accord? Donc, c'est pas ta camarade. Tu es déjà parti au Canada, toi? Mais Flo, le Canada, c'est sa deuxième maison. Tu es déjà parti aux États-Unis, oh, Mexique et tout ça. Flo, elle fait ça tous les jours. Même hier, elle est aux États-Unis. Tu as déjà pris un avion, toi? À part quand tu étais au Maroc, à Abidjan, tu payais les billets brous de 150€, 200€. À part voler dans ta vie. Même pour venir en France, tu prends un bateau comme moi. Mais au moins, quand tu prends un bateau, quand tu arrives sur le champ, tu cherches tes papiers. Quand tu trouves tes papiers, tu prends l'avion. Moi, quand j'ai mes papiers, j'ai pris l'avion. Je suis allé en Afrique. Tu es allé en Afrique 2 fois, putain. Tu peux payer un billet d'avion 2000€ pour aller en Afrique, toi? Non, sérieux. En plein juillet, tu peux prendre un avion 2000€ pour aller en Afrique? Moi, je l'ai fait, wesh. Première fois seule, deuxième fois avec mon mari. Plusieurs fois, j'ai pris des vols quand je partais. Tu es déjà parti en Grèce, salope? Tu veux parler à Flo? Mais parle d'abord à sa fille. Tu es déjà parti en Grèce, là? Connasse, va.
Tu connais la Grèce? Tu sais ce qui s'est passé dans un aéroport à Charles de Gaulle, là? Pour passer à l'aéroport, hein, faire des escales. Quand je partais en Grèce, j'étais de Rennes. J'ai pris mon vol de Rennes. J'ai fait escale à Genève. Genève, je suis allée à Athènes. Tu connais Athènes? Hein? La Grèce, c'est là où tous les milliardaires vont en été. Là, je vais bientôt avec mon mari en été. L'Espagne, il n'y a pas de traversée par bateau, là. Et prends ton taxi. Tu connais l'Espagne, toi? Tu connais l'Italie? Et tu connais même la Suisse? Hein? Tu connais la Belgique? Tu passes ton temps à insulter les femmes? Qui voyagent comme moi? Putain! Et montre-nous ton carnet de vaccination ivoirien, pute pétasse! Ta vie est merdique! Non, mais sérieux! Tantôt tu es française, tantôt tu vas être française, tantôt tu es enceinte, tantôt tu vas être enceinte, tantôt tu vas accoucher, tantôt tu es récépissée, tantôt tu attends ta carte de séjour, mais ta tête, tu fumes quoi, wesh? Espèce de toxicomane! Tu parles à qui? Nous sommes dans un débat. Le débat, c'est pas un clash. Pourquoi tu attaques quelqu'un? Nous n'attaquons pas Edossi Yahou. Edossi Yahou, t'as pas envoyé. Edossi Yahou, ça lui fait de la pipe. C'est quand je te fais ça, nous ramène encore 1 million d'abonnés. Et toi, tu veux ta sale gueule? Tu veux parler à Flore de Lille? Mais d'abord, parle à sa fille. Sa fille, même qui est élevée dans le même bateau et toi en France, te dépasse. Hein? Maman, il ne suis pas chez moi. Yeah. Il ne suis pas chez moi. Mais c'est obligé de parler comme les Whitey. Sinon, tu connais que quand l'esprit de bas de faire pète là, il rentre bouillac à bouler dans ton con. Quand on ne veut plus faire clash, tu es là, tu sautes, sautes. On te récapte. Personne ne fait clash avec toi. Même Edwige te dépasse. Edwige de Milan. Elle te dépasse. C'est ta star, wesh. Oui, oui, c'est elle est star que toi. Edwige de Milan, elle a plus de vue que toi. Tu es capable. Maintenant, au fait, tu es capable de faire un direct la journée. Oui, la journée, tu ne peux pas faire direct. Parce que même si tu fais direct la journée, même 500 personnes, tu ne gagnes pas. Parce que tous tes abonnés, ce sont des vautours. Ils sautent que la nuit, ils sont comme ça. Tu n'as pas de bloc. Au fait, ton bloc tourne autour de la nuit, 4h du matin, des directs. Tu es sorcière, tes abonnés sont des sorciers. Edwige de Milan, même avec ses enfants, elle voyage. Hein, elle fait un peu comme Leslie 5 étoiles. Elle va en Côte d'Ivoire. La dernière fois, elle était en Italie. Hein? C'est ça la Scamania. Faites un peu les concurrences des voyages. Quand Leslie va à Londres, Edwige de Milan va en Italie, même si elle monte dans les métros. Hein? C'est quoi ça? Merda! Tu es capable de sortir? Fais même le Boza, wesh. Fais un Boza, Boza, pour aller en Belgique. Il y a des voitures au black, là. Tu passes quand tu vas en Belgique. Tu peux même partir prendre les photos, tu reviens. Tu peux même dire, moi aussi, voyage. Je vais même douter que tu as le chaos, le chien. Là. Tu parles à qui? On n'est pas là pour faire clasher toi. Hein. On dit, il faut faire débat. Pas du sujet de porti-porta. Qu'est-ce que tu en penses? Ce sont les conseils que tu donnes. Tu viens t'apprendre à qui? Hein? Tu veux t'apprendre à qui, toi? Florence, c'est ta camarade? Sa fille, son bébé, Nge Nge, elle te dépasse. Leslie te dépasse. Puta de madre, mamioche. Leslie, 5 étoiles, te dépasse. Maman, j'ai mon kaolo dans l'armoire, mon car. Tu veux que je te mange chienne? Hein? La seule blogueuse qui prend l'avion à Rennes pour aller à Paris, c'est moi. N'importe quoi. Elle dit, tes seins sont tombés. Ça s'est tombé? Hein? Ça s'est tombé? Ces seins qui sont. Elle oublie de pousser ses seins dans son cou. Elle oublie de porter son seins dans son cou. Maf. Elle n'a pas l'argent pour aller faire chirurgie. Sur la première des choses qu'elle doit aller faire, c'est sur son nez. Elle, ses dents. Elle a mes dents. Connasse! Non, sérieux quoi. Naomi Jaguar, comment tu vas? Aujourd'hui là seulement, tu m'as fait rire. Aujourd'hui, des 14 dedans, il n'y a pas de pression. On a une des diètes. Pause publicitaire pour avoir les produits d'Éclat Beauté. Au fait, je voulais faire une direct tellement chaud. Mais on a fini très tard. Donc mes collègues sont en train de dormir. Voilà, j'ai pas envie de faire trop de bruit pour les réveiller. Mais c'est vraiment bien, c'est lancé. Je rentre chez moi bientôt. Il dit qu'il y a un temps manqué. Facebook, c'est la magie. Ma sœur, tu veux. Mais qui t'a dit que Flo avait une fille? Flo a un garçon, Choupi, qui a fait maintenant 2 enfants. Flo est grand-mère.
C'est pas sa camarade même au fait. Flo a une vie épanouie, Flo a une vie accomplie. Où elle est là maintenant, elle profite de sa vie, c'est tout. Elle a, si elle a envie aujourd'hui, elle va dormir au Bangladesh. Au fait, Flo arrive à un niveau que elle n'a rien à prouver, n'a rien à réaliser. Elle fait ses voyages. C'est tout. Elle est grand-mère de deux petits bébés adorables. Elle a un beau fils choupi qui a des beaux yeux comme sa mère. Elle est propriétaire d'immeubles. Elle a construit une maison pour sa maman. Et puis elle est française. Bon, elle a quoi? Elle voyage partout dans les soirées. C'est la bordel. Charamouta comme toi. Un passé douteux. Un passé douteux. On peut détester quelqu'un comme ça. Tu as assis sur la vie d'Apoutchou. Tu as assis comme ça. Il t'a fait quoi? Au fait, dans leur groupe, c'est toujours la maudite. Les autres, ils ont fait la paix. Donc, du coup, ils ne veulent pas se déclarer. Donc, aide tous les gens, il va. Va dire qu'il est bloqué à Bikin. Ça, là, le débat va venir. On n'est pas pressé pour toi. Moi, personnellement, tu sais que c'est pas dans le groupe. Voilà. Peut-être que depuis Apoutchou, il a bien besoin qu'on a causé une ou deux fois. Je ne suis pas dans le groupe. Mais j'attends. Quand il va rentrer chez moi. Cette histoire de AP, tu es propre, faire sorcellerie à 4h du matin là. Il y a en laissant tes yeux. N'importe quoi, sorcière va. J'ai mis le téléphone, vous allez appeler. Vivi, si tu es là, mets le téléphone. Vivi, si tu es là, mets le téléphone. On va rester encore 20 minutes. 1, 4. On va rester encore 20 minutes. Pause publicitaire. Bah, mon éclat beauté. Je suis venue seulement avec mon savon et mon lait corporel. Donc, je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est un peu loin. Passez vos commandes pour éclat beauté. Passez vos commandes gamme métisse, gamme teint blanchissant, anti-quinto, anti-vergetue. Actuellement, éclat beauté venait beaucoup de produits. Éclat beauté venait beaucoup de produits anti-vergetue pour toutes les filles qui ont les végétue. En tout cas, voilà. Appelez, mettez le numéro s'il vous plaît les filles. Le numéro est sur ma page Facebook. Appelez en causer. Mais ah, il me file aussi, m'envoie les vidéos bizarres. Je n'aime pas les vidéos où on fait le cadre, on me bouge des gens. Hein. Non, c'est pas ça, ouais. C'est pas cette vidéo-là. Salut 5 étoiles, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Porte ma puce. Go, laisse comme ça. Appelez, on va causer mes bébés. Mettez le numéro, s'il vous plaît. Les admins, les filles, mettez le numéro, je vais épingler le numéro qui est là. Tu parles à une femme qui a fait venir toute sa famille en bain jusqu'à le village mamie. En tout cas, ton canapé saoule le bruit, mais quitte mon direct. C'est du bon cuit, donc ça glisse, c'est neuf. Je t'appelle tout ce soir pour un placement de produit. Ok, il n'y a pas de souci, juge, il n'y a pas de souci. Appelez, hein, les filles, appelez. 5 étoiles, comment tu vas aujourd'hui, ma grande? Je vais très bien. Je vais très bien, merci. Mais j'attends le numéro pour que vous puissiez appeler. Le numéro est sur ma page. Pour ceux qui veulent intervenir. Pour ceux qui veulent intervenir, on va prendre 2-3 personnes. Les commentaires viennent en retard ici. Donc, il faut que je parte sur mon Facebook directement pour voir. Bonsoir Leslie, moi je veux les produits pour laver les mains, les pieds, les paumes et les mains. Je suis en Grèce, plus précisément à Athènes. Ok.
Je comprends pas, mais éclaboté le numéro est épinglé, ma chérie. Faut appeler, tu lui dis ce que tu veux. Hmm? Voilà. Si tu as besoin de tchatcho pour ça, je sais pas quel genre de produit tu veux. Si tes pieds sont durs et tout ça, éclaboté les produits. C'est une vampire. Ah, quelqu'un a mis le numéro. Attendez, je vais essayer d'épingler. Vous avez vu, non, ça vient en retard. Épingler. Le numéro est épinglé, appelez en causer. Je vais rester un peu avec vous, j'ai un peu de temps. Je me suis déjà lavé, donc quand je finis avec vous, je vais me coucher. Mais j'ai cherché à aller manger. Toi, tu es vraiment le médicament de tilapia. Copine, souhaite-moi bonne fête de Ramadan. Jamy, la bonne fête de Ramadan. Ça, tu as déjà fini de manger, tu avais mis des souhaits de bonne fête de Ramadan. Bon, le temps que vous appelez, je vais mettre un peu de musique. Amoura, Ginolda, Zin, Zahibo. Zahibo, Genadji, Agamou, Bonogno. Patron Pablé, le père des enfants. As-tu souri? Merci, bon avis. Appelez M. Pardon la matin, fais encore ta voix là. Non, je suis très claire de peau. Ok, mais donc c'est quoi le problème? Je t'aime trop, Leslie, merci. Appelez les filles, appelez non, ne voulez pas causer moi. Appelez pas, il a coupé le direct. Hein. Voilà le numéro qui est épinglé, tu appelles sur WhatsApp. Non, je vous prends pas en vidéo. Hein. Appelez sur WhatsApp, appelez le numéro direct et restez à la maison. Je pense chaque femme est libre de ses actes. Mais faut m'appeler. Tu vas m'appeler en PV, non? Appelle-moi. Appelle le sujet, je l'ai dans le jeu. Nandré va te reposer, ça sent. Ça sent la fatigue. Non, ça va. Un jour. On est à... Bon, tu l'as. Allô? Allô, Lassa. Comment tu vas, ma chérie? Diminue le direct à côté. Diminue le direct à côté. Oui, mon bébé, ça va? Oui, ça va, Masta. On dit quoi? Tu as bien parlé aujourd'hui, la chat. Merci. Oui, tu as bien parlé. Ma chérie, ça coupe, hein, j'imagine. Aline qui essaie d'appeler. Je vois pas le numéro. Le numéro est épinglé. Toi, tu es dans le direct. Je vois pas le numéro. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Leslie. Ça va, ma chérie? Comment tu vas? Oui, ça va chez toi. Tranquille. Maintenant, on doit t'appeler médicament de tilapia. Yeah. Allô? Oui, je suis là, t'écoute. On la calcule pas, mais elle veut que l'on a parlé d'elle forcée. C'est forcée qu'on parle de toi. Elle est très méchante, cette fille-là. Elle est très, très, très méchante.
Moi, je ne sais même pas comment son frère l'a fait pour marcher avec elle, parce que les deux n'ont même pas la même vision. Où les gens parlent de paix, là, elle, elle va toujours envoyer par là. Vraiment. Une méchante fille, maudite fille, c'est même parce qu'elle cherche dans la France, là. Où elle est là, son souhait, là, c'est que malheur arrive tout à tout le monde. Malheur arrive à tout le monde. Et quand malheur arrive à tout le monde, là, elle est dans sa maison, dans sa petite vie coincée, on dirait qu'elle est dans coquille d'escargot, là, et puis elle souffre. Vraiment. Elle est très méchante. Moi, je ne sais même pas ce que Flore Delis lui a fait. Et puis, elle est venue insulter la dame. Je ne vois même pas ce que la femme a fait. Et puis, elle est venue insulter la femme. Rien du tout. C'est pour que je parle d'elle. Et puis, voilà. Mais elle a bien reçu son coup. En fait, elle a vu que je suis dans un buzz où il y a du monde qui me regarde et tout. Donc, elle s'est dit, bon, attends, il y a insulté Flore. Et puis, Leslie va me répondre. C'est tout. C'est tout, ça se célèbre. Mais, où est le buzz même qu'elle a eu? Hier, elle a été en ligne avec combien de personnes? Même ces vues là vont jamais augmenter. Une maudite fille qui est comme ça, qui est dans France là, elle a pris bateau pour venir, c'est même parce qu'elle cherche là. Elle cherche Kassim. Merci beaucoup. Hein, de rien. On va t'appeler maintenant médicament de tilapia. Et c'est son ça, médicament c'est même. Ton nom qui est là. Il a donné un somnifère. Merci ma puce. Il y a beaucoup d'appels. Appelez, hein. Elle n'a pas de raison, elle n'a pas de raison, c'est juste la jalousie. C'est juste la jalousie. Allô? Diminue le téléphone à côté, madame. Allô? Oh, c'est pas vrai quoi. Quand vous appelez là, diminue le téléphone à côté, s'il vous plaît. Ah, ça va. Non, on va faire comme ça. Tu nous fais à ta page. Je te remercie. Appelez. Hein. On a encore. On a encore 15 minutes. Donc appelez. Je vais prendre 5 appels. Allez, allez, allez. On s'en fout déjà. Allô? Allô? Oui, bonjour madame, on vous écoute. Hein. Allô? Oui, bonjour madame, on vous écoute. Diminuez le direct, s'il vous plaît. Diminuez le direct à côté. Oui, 5 étoiles. Toujours. 5 étoiles. On vous écoute. Ok, j'ai diminué. Bonjour. Ça va ma chérie? Ma queen. Ça va? Ça va? Cool. Tu es ma star, moi. Oh. Je t'appelle depuis Guinée-Conakry. Moi, tu es ma star. Oh, ça fait plaisir. Je ne veux pas que tu parles de tilapia. Tu n'es pas dans le même level avec tilapia. Si tu parles de tilapia, tilapia, il se voit comme un gangamba, quoi. Parce que ça le rend. Elle est fière quand tu parles d'elle, quoi. Non, c'est charamuta. C'est une charamuta. C'est pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas. Là, les gens viennent de découvrir qu'elle a fait la prison. Tu vois, non? Ça fait du bien. Ah, tu ok. Seulement, tu as vu si une queen comme toi veut parler avec un tilapia. Tu vois ce que ça fait? On l'a mangé. Oh, 5 étoiles, je t'aime fort. Bisous, je mon bébé. Mon cœur, sérieux. Ciao. Seulement, tu as voyagé sans le beau des beaux. Non, ça, c'est pour le travail. Hein. Le travail, on ne voyage pas le beau des beaux. Il commence aussi le boulot bientôt. Ok, ciao, bisous. Ok, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Merci. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, on vous écoute, madame. Oui, je suis dans le direct, j'espère. Oui. Oui, je dis cette fille-là, Pierre-là.
faut laisser sur la pierre. Elle a envie de se voiler la face, c'est tout. Tous les Ivoiriens qui vont te dire pourquoi tu indexes dossier Yaoula, c'est des conneries. Nous tous, on se demandait où est Oxy enlevait son argent. C'est clair. On se demandait ça, on se posait la question, nous tous, on n'a qu'à arrêter d'être hypocrite. Maintenant, si aujourd'hui, un truc comme ça est sorti, du coup, nous tous, ça attire notre attention. C'est clair. On réfléchit, on dit, ah, t'inquiète, c'est qu'elle fait. Donc, maintenant, pourquoi faire semblant de venir faire comme si c'est toi qui l'accuse, ce n'est pas dans le. C'est l'hypocrisie. Elle est une vraie prostituée. Moi, mais son papa depuis Abidjan ici. Faut casser, casse. Prostituée, il faut Maroc là-bas. Là. Donc, c'est le même papa que tu as là. Sa position du Maroc, elle est bien de ses copines, m'a bien expliqué. Là, elle a géré son business, ils l'ont arrêté pour venir mentir que quoi que ce soit. Elle nous emmène. Tu restes la mondiale, ça ne choque pas. Tranquille. On a qu'à rester ses 700 vues là. En tout cas, prends soin de toi. Blogueuse à 700 vues. Il y avait parlé d'une blogueuse qui fait les 6000 vues. Elle fait 3 heures de direct, 700 vues, ça ne monte pas. Elle parle à l'esprit, elle parle à qui? Maf. Elle parle à la fille de la maf. En tout cas, la fille de c'est vieux, elle cherche mon dos vraiment. C'est une sorcière même. C'est vieux, elle est en train de chercher, c'est tout. Tout la regarde maintenant. Mais elle dit même ses propres parents de la ligne, elle est là. Ils ont dit, ah, c'est bio. Mais comme ils sont devenus hypocrisés, tous ils sont en train d'attraper leur cœur. Sinon, elle-même, elle n'est personne, celle-là. Elle n'a qu'à venir habiller sans s'asseoir. Prends soin de toi, ma soeur. Bisous. Charamou, t'as dit va. Ton ancien boulot de zone 4. Oui, pour moi, les abonnés sont déjà comme blogueurs à 700 vues. Tu parles à qui? Chienasse. T'as la mère, t'es dans un peu de vue encore. Elle a oublié de parler de moi. Si elle parle pas de moi, elle peut pas vivre. Tu la peux pas. Si elle parle, elle peut pas de moi, folie, va la prendre. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame, on vous écoute. Hein? Et comment vous allez, cette étoile? Si je vais très bien, merci. Ah, ok, merci beaucoup. J'appelle depuis la Tunisie. D'accord, on vous écoute. Ok, en tout cas, vous êtes ma star et je vous adore énormément. Merci. Franchement, je vous adore. Merci, ça fait plaisir. Voilà, en fait, je voulais dire comme ça que cette dame que vous parlez d'elle, parce que je ne veux même pas prononcer son nom pour lui donner un peu de la valeur, en fait. Mm-hmm. Vous, bon, vous n'êtes pas sur le même toit, en fait. Donc, ne parlez pas. Elle n'a même pas de la valeur, en fait. Et quand vous parlez d'elle comme ça, vous lui donnez de la valeur. Donc, en tout cas, aujourd'hui, j'aimais... Vous avez bien très, et très, 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 très bien parlé. Merci beaucoup. Ah, son réseau non, coupe. De rien, en tout cas, de rien. Bisous. En tout cas, je vous adore très bien. Merci, ça fait plaisir. Je prie Dieu que Dieu vous élève encore et encore et encore et... Merci. Et plein de bisous à vous. Okay, merci, bye. C'est gentil. Ciao. Allô? Allô? Bonsoir, Leslie, 5 étoiles. Bonsoir. Mouais. Plein de bisous. Moi, je ne comprends pas les choses. Tu l'as bien. Toi, tu es prostituée. C'est toi qui traites de ta camarade prostituée. Toi, tu as fait prison pour prostitution là. Et puis, c'est toi qui as fait ta camarade. Honte de ça. Vraiment. Hein? Honte de ça. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Hein? Elle n'a pas honte. Non. En tout cas, c'est toi-même qui es son médicament. Je te claque le bisou depuis ta position. Merci. Je t'aime très, 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 très fort. Merci, bisous. Oh, elle n'a pas honte. Tu l'appelles, elle n'a pas honte. Nani, vous êtes là. Nous, on s'en fout déjà. Qui m'envoie des trucs pour lui, mon popo? Il n'aime pas ça. J'ai horreur des gens qui aiment envoyer les images popo là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, madame, diminuez le téléphone à côté. Oui,
Ça va? On vous écoute, hein? Comment vous allez? Bien. Aujourd'hui, au moins, je t'ai vu. Je dis, enceinte, ma fille va s'appeler Leslie. Ça chauffe pas. Tu es au Togo, c'est ça? Oui, je suis au Togo. Je suis ivoirienne, je suis au Togo. Ok. Dès que tu accouches, tu me dis envoyer ton savon. Dès que tu accouches, tu me dis envoyer ton savon. Oh, il n'y a pas de souci, Leslie. J'aimerais intervenir sur l'histoire de cette tilapia là. Dis-moi, on t'écoute. Hey, Seigneur, ma soeur. Oui. Tu es ma petite soeur. Tu comprends? Mm-hmm. Il ne faut pas te mettre au niveau de cette fille-là, quoi. Moi, c'est ce que je peux te dire. Elle n'a qu'à faire tout ce qu'elle peut faire. Mais ne te mets pas à son niveau. C'est vrai, elle a fait son direct, on l'a vu. Mais ne te mets pas à son niveau parce qu'elle te cherche. Mais elle ne pourra pas t'avoir. Elle la calcule même pas. Je suis Gouro Yakuba. Quand je te vois jouer les sons, je dis, oh voilà ma soeur. Franchement dit, je suis vraiment, vraiment contente. Vraiment contente de la manière dont tu fais ton blog. Tu nous amuses. Franchement. Merci beaucoup. Oui, merci, c'est gentil. Bisous. Merci, ma soeur du Togo. Allô? Allô, 5 étoiles? Oui. Tu m'entends? Oui, toi, très bien même. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Ok, bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais te dire que je suis l'une de tes fans. Mm-hmm. Parce que vraiment, tu t'assumes, tu t'affiches normalement. Par contre, à Tilapia qui se joue au site, tout en bas, elle ne s'assume pas. C'est clair. Elle se joue au grand, mais au fond, c'est rien, quoi. Moi, une fois, j'entendais une conversation de ses amis, là. C'est même son appartement. C'est l'association, elles ont fait. Les meubles de sa maison, c'est pas elle, ses meubles. Ce sont les meubles en association. Maintenant, tu viens sur les réseaux sociaux, tu bénis ta copine, tu te fais croire que du genre, c'est toi, mais en tout temps, en bas, tu n'as rien. Mmh. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. Vraiment. Du moment où tu te mêles de la vie des gens, il faut savoir que ton papa aussi est versé en France. C'est ça le problème. Si tu fouilles dans la vie des autres, on fouille aussi dans ta vie. Sa nouvelle adresse, à moi, il a trouvé ça. Adresse où elle est là. Tout ce qu'il dit, adresse de Tilapia, je vais payer à 500 euros. Appelez-moi seulement. Il y a déposé ça sur Facebook. Folie va la prendre. On va chercher ça pour te donner. Mm-hmm. Bisous, ma chérie. Okay, gros bisous. Ciao. Beaucoup de peau. Trop d'appels. Allô? Ouais. Ça va? Coupe, tu relances, pardon. C'est bloqué chez moi. Voilà. Là, c'est bon. Allô? Bonjour madame. Je vous appelle de la Tunisie. D'accord. Je te suis depuis le pays jusqu'à ici. Bon, moi, ce que je voulais dire, sur Tilapia, mm-hmm. Quand elle place son téléphone là-bas, moi, je vois ces deux petits trous de ses narines là. C'est ça, son moment, je vois. Et ce qui sort de la bouche là, c'est très vilain à voir. Elle, ça dit, je ne sais même pas comment elle est née. On lui donne des conseils. Elle ne veut pas comprendre. Elle parle de Flor Deli. Flor Deli n'est pas ivoirienne. On parle de ses soeurs ivoiriennes qui font les choses comme ça. Donc, asseyez-vous et donnez-le les conseils. C'est encore mieux. On parle des Ivoiriens. Elle, Flor Deli, elle n'est pas ivoirienne. Laissez les Camerounaises parler de leurs soeurs. Mais vous parlez de vos soeurs. Vraiment. Je ne sais pas ce que. Attends, je ne sais pas. Elle n'est pas vraiment intelligente. Donc, il ne faut même pas la suivre, même. Il ne faut même pas regarder ses vidéos. Parce qu'elle sait ce qu'elle cherche. Ok, je t'adore. Merci, bisous. Vraiment. Ciao. Ça fait plaisir. Allô? Maman? Plus 86, c'est quel pays? Je vais bloquer quelqu'un. Plus c'est du monde. Plus c'est du monde. Plus c'est du monde.
Oh, ça vous de jaloux. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Bonjour, on vous écoute, monsieur. Ouais, je vais juste intervenir pour. Oui, on vous écoute. Je suis Jean-Fan. Oui, on vous écoute. Écoutez. Oui, je voulais juste intervenir pour dire que je suis très intéressé et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à écouter. Et donc, vraiment, que Dieu bénisse et que Dieu continue à faire à ce que Leslie puisse toujours aiguiller les femmes et les booster à donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Merci, c'est gentil. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Ciao, bonne soirée. Le numéro, on insiste, mais quand il décroche là? Allô? Allô? Bonjour ma chérie, ça va? Tu appelles de quel pays là? Allô, oui, bonjour. Tu appelles de quel pays? J'appelle de la Chine. Ah. De la Chine. Ok, ça va? On t'écoute, hein? Ça va bien, c'est pour intervenir. Oui, on t'écoute, madame, on t'écoute. Allô? Je vous écoute, je vous écoute, hein? C'est pas là. On fait rien pour un tilapia. Cette fille. Je pense que c'est la main qui pense d'insulter les parents. Une fille, maintenant, même le sommeil, elle n'arrive pas à. Son réseau n'est pas bon. Ouais. Vous allez, bon, il ne prend plus d'appel, c'est bon. Je vais me reposer. Je vais me reposer une heure. Il est 15h, 16h, 17h. Wow. Je vais me reposer une heure de temps. Pas pour dormir forcément. Il y a quelque chose qui est collé sur moi. Oh, c'est du miel. Je vais me reposer un peu et puis voilà. Donc bisous. Merci à. On était combien aujourd'hui? Je crois plus de 3000 personnes. Voilà, merci d'être là. Merci d'être présent quand je lance les appels. Et puis voilà. Rendez-vous demain pour un autre direct si possible. Mais c'est pas sûr parce que c'est comme ça. Je vais me concentrer sur le travail. Le sujet porta, il est d'actualité. Demain ou après-demain, on fera une vidéo dessus. À chaque fois qu'on aura des trucs dessus, on viendra en parler. On parlera aussi de d'autres sujets. Comme je vous ai dit, le clash pas pour moi. Là, je l'ai regardé pour lui dire que Flore, c'est pas son amie. Et pour dire aux gens que c'est une pute, c'est une prostituée. Tilapia alias Charamuta. C'est parce qu'elle a sucé les bites que sa bouche est penchée. Et que voilà, qu'elle n'est rien du tout. Et que moi, j'ai décidé de ne pas faire de clash avec aucun blogueur. Même apparemment, avant-hier, Guénon m'a insulté, mais je ne regarde pas la vidéo parce que ça ne m'intéresse pas. Tilapia, je suis tombée dessus vers 4h du matin, c'est pour ça que je parle de ça. Donc ça ne m'intéresse pas. Et puis ce qui concerne Flore, mais ils vont se dire que si. J'ai dit que si on insulte Flore, je vais sortir, ça sera un jeu pour eux. Parce qu'ils savent que, à un moment, ma visibilité était partie parce qu'ils ont trop signalé mes pages. Je ne sais pas, deux jeux de Facebook, ils ont activé, mais c'est quoi le problème? Mes pages sont en rouge. Quand ils voient que j'ai fait 5000 vues, 4000 vues, 3000 vues, ils se rappellent de moi. Quand mes vues descendent, ils ne se rappellent pas de moi. Hier, la vue qui a fait 6000 vues, elle est fâchée. Elle est venue, elle commence à rencontrer tout et n'importe quoi. Maintenant, ce n'est plus mon père, ce n'est plus ma mère, maintenant c'est Flore de Lille. C'est des conneries, quoi. Flore est camerounaise, elle a le droit de critiquer les influenceuses camerounaises. Les cités ivoiriennes, elle a le droit de critiquer les influenceuses ivoiriennes. Donc, Charamuta, s'il te plaît, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat. Concentre-toi sur ton blog. Gère ton blog sans le nom de Leslie. Parce que moi, c'est presque un mois, je ne te calcule pas, je ne parle même pas de toi. La preuve, vous avez fait au buzz, vos histoires de 1 500 € comme une mendiante ambulante. Je n'ai même pas branché un mot. Parce que pour moi, vous n'en valez pas la peine, au fait. Toi, tu n'en vaux pas la peine. Donc, ma chérie, jette ton blog. Parle des sujets d'actualité sans insulter chaque blogueur. Que ce soit la maman du Canada, Monica Z, que ce soit Leslie 5 étoiles, que ce soit Bob, que ce soit Edwige Demia, que ce soit n'importe qui, il parle de l'actualité. Parle de l'actualité et puis jette ton blog. Sans taquer pour dire, toi, pourquoi tu as dit ça? Toi, pourquoi tu fais ça? Non, jette ton blog. Comme eux, j'ai les blogs, toi aussi, j'ai ton blog sans forcément partir dans les clashs avec tes collègues. Parce que même si on dit la paix, toi, tu ne pourras pas tenir. Parce que tu vis que des clashs et c'est dommage. D'accord? Donc, je vais vous laisser. Je vais me reposer. Voilà. Et puis, ciao, ciao. Merci pour les 3000 personnes qui étaient là. N'oubliez pas de commenter, de liker la page, de vous abonner. Et surtout, désolé, je ne prends plus d'appels. Et surtout,
de passer vos commandes chez Éclat Beauté, les produits anti-quinto, anti-vergétu, les produits gamme caramel pour avoir le teint de l'Esti 5 étoiles, gamme métisse, gamme blancheur et consort. Voilà. Sur ce, passez une très belle après-midi. Ciao.